Alors bienvenue ou re-bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons manger Waffle Factory. Nous avons du Waffle Factory. Quoi, t'aimes bien dire? En plus il a pleuré, le gars vient, on est sur le visage. Il aime trop dire quoi? Il aime trop me parler quand il sait que je vais, que je suis en train de parler. Dès qu'il voit que je parle, le gars il me parle. Ça fait trop longtemps, vraiment. Très longtemps. Ouais, j'avoue. Alors, il y a. Ça, c'est quoi? Norvégienne, c'est la mienne. Et celle-là, c'est la tienne. Cheddar. Oh, what? What? Elle est cramée. What? On va aller sur le pro. Avant de commencer à faire ça, je vais vous faire les shout-out parce que j'ai pris les shout-out. Je déverrouille mon téléphone. Hein. Et on va faire le shout-out. Et nous allons faire les shout-out. Le premier shout-out est pour la meilleure tata. Pour Chloé Wissama. De la part de sa sœur. T'as commencé toi. Pour Laurie Césaire. Pour Noisette Life. Qui a son anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Noisette Life. Joyeux anniversaire. Pour Alice et Carole. Pour Anna d'Algérie. Et en dernier, pour Tifa 974. Bouya! Bon appétit, on vous aime tous très fort. Ok, ok, ok. La mienne, je ne sais pas si Aaron va l'aimer parce que. Je vous montre de près. Elle est comme ça. Et dedans, elle est fourrée. On ne peut voir pas dedans. Devant, dedans, elle est fourrée norvégienne. Du coup, il y a du saumon. Et du fromage, je sais pas quoi. Tu leur montres de près, toi, comment ça fait? C'est fort et c'est pris. Une au jambon et mental. Tu donneras des petits croix à Aaron. Oui. Aaron, je n'ai pas pris un parce que bah, il a mangé un beignet au chocolat il n'y a pas longtemps. Et du coup, voilà quoi. Il n'a pas spécialement faim. Ouais, je suis bien. C'est ce que je disais. Il n'a pas spécialement faim. Ça fait longtemps. Moi, celle que je prends d'habitude, elle était hors stock. Il n'y en avait plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a mis un bout dans sa bouche et il l'a sucé. Il y a de la nette dedans, ma mère. Il y a quoi? De la nette. Je sais pas si vous arrivez à voir de près. On va pas mettre trop de temps ici parce qu'il y a du monde qui cherche des places, mais en même temps, on a Peter. On n'a pas la dernière place. On n'a pas pris la dernière place, c'est qu'on a galéré pendant plus de 10 minutes à trouver une place. On a été faire ce qu'on avait à faire à acheter et puis maintenant, les gens, ils sont impatients, ils veulent nous voir dégager. Ben non. Maintenant. Parfois tout de suite, vous avez galéré comme nous on a galéré. Il tourne autour. Hein. Toutes les personnes ont pris deux places en même temps. Ouais, les gens qui sont derrière, ils ont pris deux places. Mais c'est pas toutes les personnes. Ouais, il y a une ou deux personnes qui ont fait ça. Et sinon après ils ont pris une seule place. Mais... Bah oui. Quoi, il y en a eu beaucoup. C'est beaucoup. Un coucou. Bah au moins ils auront une place puisqu'il y a des personnes qui partent. Ne montre pas les gens du doigt. Des maisons qui sont trop longues. Je sais pas qu'ils sont trop longs. Ouais. On va voir si c'est empoisonné. Non. Je connais très bien ta technique. Je vais boire un peu, tiens. Tu vas prendre un qui n'est pas gazeux. Il aime pas trop les trucs gazeux. Pour moi, j'ai du fusti. Non, fusti. Le gars, c'est ma boisson. Il me dit non. Il est sérieux. Ma boisson que je me dis, je vais lui donner pour qu'il puisse boire. Je bois une gorgée, il me dit non. Comment ça, non? Donc je vois, il est en vacances. Mais elle a hâte de recommencer les cours. C'est trop bien là-bas. Bah oui.
tu te fais le moins de soucis là-bas, donc c'est cool. Mmh. On va bientôt faire un Q&A. Question-réponse là. Mmh. Parce que je vois, vous êtes beaucoup à. Mmh, ça fait beaucoup de fromage. Mmh. Vous êtes plusieurs à poser plein de questions. Ça va, c'est bon? C'est bon? Mmh. Ouais, bah oui, bois, c'est à moi. Attends, je repousse le truc. Un échange. Ah, tu veux reboire? Mmh. Elle aime trop ta boire, bois. Ah, moi j'aime trop ma boire, bois. C'est du coco-colo. Hein? Coco-cola? Coco-colo? C'est quoi ça? Coco-colo. Et qu'est-ce qui dit ça? Mmh? Et qu'est-ce qui dit ça? Dans un film. Ils disent que les gens qui sont ch'tis sont dans le nord, plus là. Nord. Et ben ils parlent comme ça, ils disent du coco-colo. Mais après, je sais pas si c'est vrai. Hein. Parce que dans les films, souvent, ils exagèrent. Ouais, ils disent n'importe quoi. Comment? Vous avez vu comment le soleil est en train de se teinter en orange et il va se coucher. Et c'est trop beau. Hey, finis pas mon jus, toi. Surtout le lever du soleil. Non. T'as vu, elle m'a fait une grosse tache marron là. Une grosse tache, pistache. Je vais goûter le tien. Je goûte le mien. C'est bon. Logique. Moi, on dira. Ouais. Ah, c'est bon, le mien. Et surtout le saumon, c'est comme si j'étais sur les pizzas. J'en fais un quoi, je te le rends, d'accord? Ouais. Ah, tu veux combien? Trop bon. Tiens, parce que moi j'en ai pris au moins 3 des bouchées. Hein? Je crois qu'encore là, il va te donner encore. Tu vois, parce que tu voulais pas là. Il voulait pas. Il m'a vu croquer, il a dit ça doit être bon. Si maman croque, c'est que ça doit être bon. Elle a goûté, elle s'est rendu compte que c'était bon. Mmh. C'est un truc basique comme d'hab. Hein. Bah, c'est quand même une gaufre fourrée. Hein. Mmh. Ah, il va encore croquer. Bon, Legends. Ouais. Ça vous botte d'aller faire de la balançoire au jardin botanique? Oui. Ouais, ça te botte, Aaron? Ouais. Comment ça, quoi? Ça te botte avec ta botte sur le pied? Le gars qui passe son temps à dire quoi? Bah, finissez de manger et on leur dit bye. Il veut jamais mettre du label. Pardon. Pardon. Ben finalement t'en voulais. Alors lui quand je lui prends des menus, il veut pas les manger. Et quand j'y en prends pas, il les mange. Je sais pas. C'est bizarre. La dernière fois j'ai pris ce même menu là. Il a pas voulu manger. Il voulait manger ce que j'avais. Non. La même chose. La dernière fois qu'on a pris il y a à peu près 5 ou 6, 8 mois là. Si, si. Il a pas voulu, mais là il veut bien. Là il veut croquer encore. Il a fait un gros croc. Bravo. So, guys, hope you enjoyed this video. If you like this video, please give us a big stand up. Leave a comment down below, and subscribe. Bye.